C'est super. Et c'est fait, c'est un vrai régal. Je pourrais pas en faire autant. C'est sérieux. Yeah.
Wow. Andiamo! C'est quoi son problème ? Votre attention ! Je tiens à porter à votre attention que le marchand Medardo de San Polo a été jugé coupable. Eh bien, de l'argent, ça reste de l'argent, n'est-ce pas ? Ah là là, ils n'ont qu'à bien se tenir, ou ils exhaleront leur dernier. T'es un homme mort ! Dieu vous bénisse. Délivrez-nous de cette tyrannie fraudulente. Oh, voilà.
le diable. Clients, mes prix sont tout simplement incroyables. Vous allez me... Vous avez besoin de réfléchir. Je comprends. Venez, venez. Ça devrait aller mieux maintenant, mais pas d'imprudence. Quel imbécile! Dans les rangs hautement, le Dor, le Fils se réunissent aujourd'hui pour déterminer la conduite à adopter. Il n'y a rien à voir ici. La prudence est recommandée aux abords des sites de construction. Veuillez signaler tous dégâts subis par les propriétés de la ville et soyez courtois. Quoi ? Incroyable ! Regardez l'argent, le dédale ! Il aurait coulé avec tout son équipage au large de Thessalonique. La République exprime ses condoléances aux familles. Où est Emilio ? Je lui ai demandé de venir. Vous lui avez dit ? Vous-même ? Oui, moi-même, en personne. On dirait que vous ne me faites pas confiance. On dirait. Il viendra peut-être avec les autres. Marchons un peu. Alors, quelle est la situation au palais? À vrai dire, c'est délicat. Mochenigo ne se laisse pas facilement convaincre. J'ai essayé de préparer le terrain pour faire des suggestions. Mais ce n'est pas ma voix qui l'écoute. Il faut redoubler d'efforts et entrer dans son cercle d'intimes. Oui, je comprends. Mais c'est plus difficile que prévu. Et pourquoi ça, Kahn ? Je ne sais pas, ce n'est qu'un... Le Doge ne m'apprécie pas. Ah oui, vraiment ? Ce n'est pas ma faute. J'essaie de lui être agréable. J'apprends à connaître ses goûts et je les satisfais. Que ce soit avec les meilleurs fruits des vergers de Sardaigne ou les dernières modes venues de Milan. Oui, et ainsi vous passez pour un flacorneur. Un quoi ? Comment m'avez-vous appelé ? Un paillasson, un flatteur, un lèche-botte ! Dois-je continuer ? Bastardo ! Vous ne savez pas ce que je vis. Je suis soumis à de telles pressions au palais. Oh, parce que moi je suis mieux loti. Oui, vous n'avez pas idée à quel point. Vous n'êtes qu'un agent de l'État. Moi, je côtoie le Doge en personne. Je vis à ses côtés, jour et nuit. Avouez-le, vous aimeriez être à ma place. Vous avez fini ? Pas encore. Maintenant, écoutez-moi. Je vais réussir. Le Doge finira par rallier notre cause. J'en suis persuadé. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Le temps, c'est justement ce qui nous manque, malheureusement. Je commence à avoir mal aux pieds. On ne pourrait pas s'asseoir un moment ? Nous discutons de sujets trop sensibles. Je ne veux pas prendre de risques.
Bonjour, mon cousin. Signor Carlo ? Emilio n'est pas avec vous ? Emilio est mort. Quoi ? Comment ? L'assassin. Celui-là même qui a éliminé les Pazzi. Il est ici, à Venise. Vraiment ? Silvio, vous ne le saviez pas ? Nous devons nous méfier. S'il était ici en ce moment, nous ne le saurions même pas. Rendez-vous compte, il a frappé Emilio dans son propre palais. Mais alors, qu'allons-nous faire ? Je crains que l'heure ne soit plus à la subtilité, mes frères. Il faut passer à l'acte. Mais Marco, je touche au but ! Laissez-moi quelques jours, si je peux... Non, nous agirons cette semaine. Il ne faut pas rester là. Avez-vous la bénédiction de l'Espagnol pour changer nos plans ? Vous allez pouvoir le lui demander très bientôt. Il a fait le voyage ? De Rome ? C'est ce qu'on dit. Bien. Peut-être a-t-il pris une décision. À quel propos, cousin ? Peut-être a-t-il choisi celui d'entre nous qui revêtira la doge, cousin. J'ignorais qu'il y eût la matière à décision. Le choix me paraît pourtant tout indiqué. Tout indiqué, oui. Ce sera forcément celui qui a organisé toute l'opération, qui a une idée si brillante qu'elle pourrait sauver notre cité. L'intelligence tactique est très certainement un atout, mon cher Silvio. Mais c'est de la sagesse qu'il faut pour régner. Vous semblez l'avoir oublié. Du calme, mes amis. Voyons, tout cela est inutile. Et puis ce n'est pas vous qui déciderez. Par ailleurs, il n'est pas sûr qu'il choisisse un barbare. Et pourquoi pas moi ? C'est moi qui ai fait toute la sale besogne. Basta ! Attendons qu'il soit là. Et il va vraiment venir ? Oui ! Signori, il faudrait avancer un peu plus vite. J'ai l'impression qu'on nous surveille. Merci, Dante. Nous allons marcher à ton rythme. Ce garde est très précieux, cousin. Combien vous a-t-il coûté ? Je pense avoir fait une bonne affaire. Il m'a déjà sauvé la vie par deux fois. Son seul défaut est qu'il n'est guère loquace. J'en ai assez de vos querelles ineptes. Ce n'est pas à vous qu'incombe le choix du doge. Et je ne vous permets pas d'échafauder des plans. Suis-je assez clair ? Pardonnez-nous, maestro. Nous ne cherchons qu'à vous servir. La décision est prise. Le doge Mocenigo mourra ce soir. Et une fois cet acte accompli, Marco prendra sa place. Merci. C'est trop de grâce que vous me faites, maestro. Bien. Messer Grimaldi. Vous êtes proche de Mocenigo. Vous jouerez un rôle central. Servez-nous bien, et nous saurons nous en souvenir. Venez avec moi. Je ne veux pas que le sang soit versé, vous comprenez ? Il faut que tout le monde pense qu'il est parti en paix. Bien sûr, maestro. Quand pourrez-vous l'approcher ? Je me déplace librement dans le palais. Il ne fait aucun cas de mes propos, mais... il me considère maintenant comme l'un des siens. Bravo. Vous allez vous introduire dans les cuisines et empoisonner son repas. Ce sera fait. Marco, pensez-vous pouvoir nous trouver rapidement un poison adapté ? Je m'en remets à mon cousin. Une telle requête relèverait plutôt de sa compétence. Ah, Silvio. Je suis à votre service, maestro. Avez-vous une suggestion à nous faire ? J'en parlerai à mes associés dans les rues, mais je pense pouvoir me procurer de la cantarelle. Bien, et qu'est-ce que c'est ? C'est une forme d'arsenic très puissante et pratiquement indétectable. Ah, va bene, va bene. Alors c'est décidé. Oh, mes livres ! Mes précieux volumes gisant sur le sol. Poussez-vous ! Je préfère les ramasser moi-même. Oh non. Et moi qui me fatigue à porter tout ça.
et personne ne respecte mon travail. Les gens font n'importe quoi. Ils ne regardent pas où ils vont. Il y en avait pour une fortune. Et qui va m'endorser, moi? Nous rappelons à tous les citoyens que certains ponts de la cité sont en cours de restauration. Nous sommes conscients de la gêne occasionnée, mais nous vous rappelons qu'il est inutile de s'en prendre aux ouvriers. Pardonnez-moi, maestro, mais ne craignez-vous pas que tout cela devienne trop dangereux pour vous? Après tout, vous vous êtes impliqué personnellement dans cette conjuration. Si je m'implique, c'est parce que je l'ai jugé nécessaire. Les Pazzi ont déçu nos attentes à Florence. J'espère que vous ne les imiterez pas. Ne vous inquiétez pas. Les Pazzi étaient bien trop stupides pour... Les Pazzi étaient une famille puissante et respectable, qu'un jeune assassin a exterminé à lui tout seul. Je vous conseille de ne pas sous-estimer ce fauteur de troubles qui hante maintenant notre cité. Ou les Barbarigo pourraient connaître le même sort. Je vous demande d'agir promptement. Bene, je dois rentrer à Rome. Le temps nous est compté. Ne me décevez pas. Quel idiot je fais. Je n'aurais pas dû les quitter des yeux. Il faut que j'aille voir Antonio. J'ai fait preuve de négligence. Lui seul pourra m'aider. Salute. Bonjour, mon mignon. Tout va bien? Je te manque déjà. Désolée, ma chère, mais ce n'est pas toi que je viens voir. Je dois parler à Antonio. C'est urgent. Antonio! Ezio est là! Ezio! Est-ce que tout va bien? Carlo Grimaldi et les Barbarigo se sont ligués avec celui qu'on appelle l'Espagnol. Ils projettent d'assassiner le Doge et de le remplacer par l'un des leurs. Toute la cité de Venise et sa flotte seraient à leurs bottes. Et ils me traitent de criminel. Alors, tu vas m'aider? Tu peux compter sur moi, mon frère. Et sur le soutien de mes hommes. Et des femmes. Grazie, amici. Mais, Ezio, je te préviens.
Cette fois, ce sera plus difficile. Le palais ducal est le bâtiment le mieux gardé de tout Venise. J'ai toujours aimé les défis. C'est ce qui nous plaît chez toi, Ezio. Viens, allons jeter un œil. On va trouver un moyen. Ce complot contre le Doge, c'est terrible. Mais ces histoires de trahison ne me surprennent plus vraiment. Quand j'étais enfant, on nous apprenait que les nobles étaient justes et bons. Et je le croyais. Mon père était un simple cordonnier et ma mère une servante. Mais moi, j'aspirais à autre chose. J'ai longtemps étudié, j'ai persévéré. Mais les nobles ne m'ont jamais accepté. Il faut croire que pour appartenir à leur monde, il faut y être né. Alors je te le demande, Ezio, qui sont les vrais nobles de Venise ? Des hommes comme Carlo Grimaldi et Marco Barbarigo ? Non ! Ce sont les gens comme nous, les voleurs, les mercenaires et les prostituées. Pendant que nous faisons tout pour sauver cette cité, les nobles en font leur terrain de jeu. En conséquence, un impôt sera prélevé sur toutes les marchandises importées qui ne seront pas jugées indispensables. Ce jour est béni des dieux. Deux artistes au talent rare et aux privilèges. Sur les territoires du sud, et ceci tant que le Saint-Père prend sa décision. Les marchands agissant à titre privé peuvent poursuivre leur activité sans craindre de représailles. Nous devons explorer les alentours du palais, l'observer sous tous les angles. C'est ainsi qu'on trouvera une entrée. Il y a un campanile juste derrière le palais. Nous pouvons aussi essayer d'escalader l'arrière de la basilique. Qu'en penses-tu ? Et par devant, c'est impossible ? Va bene. On essaiera aussi par devant, petit malin. Alors, qu'en penses-tu ? Non, impossible d'entrer par là. Ils auront assassiné le Doge avant qu'on ait éliminé tous les gardes. Regarde ça. Il y a des archers partout. Et les murs sont impossibles à escalader de ce côté-ci.
Ce n'est pas dangereux. C'est quoi son problème? Il peut pas marcher comme tout le... Je suis là pour vous soigner. Eh bien, quelle chance! Ces échafaudages devraient nous permettre de monter et d'atteindre le toit de la basilique. Alors ? Dieu, regarde! C'est bien lui? Grimaldi! Vous ne comprenez pas ce que je vous propose, signore. Je vous en prie, écoutez-moi. Ou ce sera votre dernière chance. Comment osez-vous? Désolé, excusez-moi. Vous m'avez mal compris, je m'inquiète pour votre sécurité. Nous allons manquer de temps. On ne passera pas par cette grille. Il y a des gardes partout. Diavolo! Par ici. C'est impossible. À moins de se laisser pousser des ailes, on n'entrera pas. Oui, des ailes. Mais où est-ce que tu vas? Je vais voir mon ami, Leonardo. Carlo Grimaldi. Il vivait dans un palais à Monaco. Désireux de conquérir le pouvoir politique, il devint rapidement l'un des hôtes de marque des nobles de Venise. Réputé pour sa grande discrétion, Carlo fréquenta très tôt les coulisses du pouvoir. Il finit tout naturellement par siéger au Conseil des Dix. Un jour, alors qu'il rendait visite à Ignazio Contarini qui présidait le Conseil, Carlo rencontra la fille de celui-ci. Elle avait désespérément besoin d'aide et convaincue que Carlo était digne de confiance, elle lui avoua son secret. Son père avait arrangé son mariage, mais elle voulait s'enfuir avec le fils d'un des domestiques. Ils s'aimaient depuis leur plus tendre enfance et ils projetaient de refaire leur vie à Milan, loin de l'influence d'Ignazio. Carlo leur suggéra d'agir sans attendre et de quitter la cité en bateau la nuit. Les deux tourtereaux suivirent ses instructions. Ils croyaient qu'une fois à bord, ils vogueraient vers la liberté. Seulement, voilà, Ignazio apparut sur le pont. Carlo fut récompensé pour sa loyauté envers les Contarini. Quant au projet des deux amoureux, eh bien, ils tombèrent à l'eau. Devant le palais d'Antolo dans une semaine.
c'est Gandolo lui-même qui présidera les festivités. Par ordre du temps. Le Doge a décidé que les fabricants de feux d'artifice seraient désormais soumis à un contrôle et devraient se conformer à certaines normes. Le décret est disponible auprès de la guilde. Verdura fresca di giornata! J'avais un moment, je prendrais le temps de mieux te connaître. Et crois-moi, tu n'oublieras pas qui. J'ai ajouté au texte de loi sur la tolérance. Merci de les consulter. Approchez. Je comprends parfaitement. Ciao. Pauvre fou, il va se rompre le cou. Il l'aura bien cherché. Ralentir un petit peu. Le mois dernier. Je ne sers que l'élite. J'espère que tout n'est pas perdu. Incroyable. Quel idiot. J'ai besoin de toi, Leonardo. Elle fonctionne ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce qu'elle fonctionne, Leonardo ? Est-ce qu'elle peut nous faire voler ? Je ne sais pas. Ce n'est qu'une ébauche, un projet. Elle n'est pas prête. Tu l'as essayé ? Non, c'est trop dangereux. Il faudrait s'élancer du haut d'une tour. Personne ne serait assez fou pour faire une chose pareille. Leonardo, je crois bien que tu as trouvé ton homme. Alors, comment ça marche ? Tu as déjà observé un oiseau en vol ? Ce qui compte, ce n'est pas le poids. C'est la grâce et l'équilibre. Tu dois utiliser le poids de ton corps pour contrôler ton altitude et ta direction. Bonne chance, Ezio.
Mais je n'y arriverai jamais. Tout cela est ridicule. Le palais est bien trop loin. Au diable, j'abandonne. Si je continue, je serai mort avant de pouvoir tuer le moindre Templier. C'est incroyable! Ça a marché! Ça a marché! Tu as volé, Ezio! Tu as volé! Oui, mais pas très loin. Et à quoi est-ce que tu t'attendais? Cette machine n'a pas été conçue pour ça. Bien, écoute, je vais essayer de revoir mes plans. Je trouverai peut-être un moyen d'allonger la durée de vol. Ezio, d'après mes hommes, Carlo a le poison. Il faut faire vite. Antonio, voici Leonardo, l'inventeur de renom qui a construit ce pezzo di merda. Hé, la machine n'y est pour rien. C'est ma faute. J'ai vérifié mes plans à plusieurs reprises et... Ah, c'était pas possible. Je ne sais pas comment voler plus longtemps. Ah, oh, quelle idée insensée! Eureka! Mais bien sûr! C'est ça! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? L'air chaud monte. Il faut du feu. Avec de l'air chaud sous les ailes, la machine montera. Leonardo, un simple feu ne servirait à rien. Pas un feu, Ezio. Une dizaine, allumée dans toute la ville. Si tu pars d'ici, cela pourrait te porter jusqu'au palais ducal. Comment? Oh, capisco. Mes hommes s'en chargeront. Reste le problème des gardes. Ne t'inquiète pas, j'en fais mon affaire. Je vais faire passer le mot à mes hommes, ils vont te suivre. Et rester à ces endroits. Ils allumeront les feux dès que le soleil se couchera sur Saint-Marc. Finissons-en. Si on montait la garde devant le palais du Doge. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on garde exactement? Une cargaison de tout le shit. Poudre colorée, totalement hors de prix. Je connais cet homme. Et un homme mort! C'est peut-être notre homme. Ah, allez! Il va nous slayer! Là-bas! Ne le laissez pas s'enfuir! Règle de l'art. Attente.
finira sur un bûcher. Ce sera un spectacle très réjouissant, tu peux en être sûr. Tranzo, ça suffit. Un peu de repos, et vous serez comme neuf, l'ami. Venez, mes amis. Ici, le client est roi. Et moi, je suis l'ombre. Essence, pronto. Les intrus, les tuent. L'hospitalité n'a rien de surfait. Oh!
Garde. Le mois dernier, à lui seul, le vide. Pas de la fausse monnaie, j'espère. Se sont déjà arrachés nos paysages, mais je... Approchez, mes amis! Je vends tous mes articles à la... Salut, Claudia. Tu veux consulter le livre ? À bientôt, Ezio.
protection. Fausse monnaie, j'espère. Salute, Claudia. Tu veux consulter le livre ? À bientôt, Ezio. Tu as raison. Pour une de ces nouvelles cartes, je présume. Excusez-moi, ça ne se reproduira plus.
Tu as appris à faire ça? Comment échapper à un...
Approchez. Ce n'est pas grave. Une autre fois, d'accord ? J'aurai bientôt d'autres articles. Buonasera. Venez me voir. Venez, mes amis. Ils ont déjà arraché nos paysages, mais je peux vous proposer des sets de genre très réalistes. Vous pouvez immortaliser celles qui fait battre votre cœur, aucun problème. Nos forfaits.